Et salut tout le monde, c'est Adkilo, ça se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur le jeu Milk Simulator, un jeu dans lequel nous allons devoir boire un maximum de lait avec notre petite brique. Et grâce à ce lait, nous allons pouvoir remplir notre jetpack et pourquoi pas monter jusqu'en... Wow ! Bon, là j'ai pas grand chose, je viens juste de commencer le jeu. Hein. Va falloir bien évidemment que j'achète des briques de lait qui rapportent beaucoup plus. Et surtout que j'ai un sac à dos un petit peu meilleur là, enfin que j'ai une brique de lait qui contienne beaucoup plus de lait. Alors là je viens de gagner 10 pièces d'or. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver sur un bon simulateur, enfin ce qui a l'air d'être un bon simulateur. Combien ça coûte le... Oh, j'aime pas trop moi. Le lait à la vanille, c'est pas ouf, hein. Je préfère le lait de base. Ou alors le lait avec du chocolat, à la limite, c'est mieux. Ok, donc là, j'ai juste à vendre une seule fois et je vais pouvoir m'acheter donc le suivant. Hop, je vends ça. Et on va se prendre donc up vanille milk x4. Ah oui, ça fait x4 et l'autre il faisait x1. Ensuite on aura, ça y est, ouais, le lait au chocolat. Donc il y avait d'autres trucs à acheter aussi, c'est de l'ADN qui nous permettra, ah ok c'est ça, d'avoir, ben, de pouvoir boire plus de lait tout simplement. Ouais, il y en a plein à débloquer. Et ensuite on pourra avoir également les ranks à améliorer. D'accord, d'accord. Bon, va falloir qu'on consomme un petit peu de lait. Ouais, déjà qu'on puisse enfin monter sur toutes ces îles en haut là. Alors on pourra avoir des pets aussi, c'est ça qui est cool. Alors attendez, parce que j'ai déjà plus, je bois deux fois, c'est bon, j'ai plus de place. Alors je vais prendre le brin suivant, l'ADN de vanille, l'ADN de vanille. Et là maintenant, voilà, j'ai 35 de place. Et à mon avis, mon jetpack me permet d'aller un petit peu plus haut. Ah non, même pas, hein. Peut-être que c'est en fonction des ranks. Alors attendez, je prends un petit peu de thune ici là. Le groupe chest aussi, ah d'accord, c'est ici qu'on va acheter les jetpacks pour pouvoir les améliorer. Alors, waouh. Combien ça coûte? Je crois qu'il faut 1000$, hein. Bon, j'ai pas assez pour l'instant. Bon allez, je vais aller ramasser des petits gemmes ici, on va essayer de se prendre un... Waouh. Wow! Calme-toi, calme-toi, je voulais juste ramasser les gemmes, moi. On va prendre les gemmes, ça va sûrement pouvoir me permettre d'avoir des pets. En tout cas, l'île est super stylée, cette ferme est magnifique. Et ici, on va voir donc les pets. Ah, ok, il y a ceux à 50 diamants, mais il y a ceux à 500 diamants. Bah écoutez, je vais rapidement aller prendre une gemme, ça me permettra d'avoir directement le deuxième œuf. Ah, par contre, il y a que des pets à 25%, hein, c'est pas ouf. Bon, écoutez, on prend, on va voir ce qu'on a. Attention. Et on a un petit loup, d'accord. Donc, combien il fait celui-là? Alors, fois 1,75 milk, fois 1,75 coins, on prend direct. Le tableau des achats en Robux. Bon, déjà, le x2 coins, on va le prendre direct. Je le prends sur quasiment tous les jeux que je fais. Il y a le x2 de lait aussi qui m'intéresse. Allez, allez, allez. Allez, c'est bon, ça arrête là. Attendez, il y a l'infinite DNA aussi. Combien il coûte celui-là? 350? Ah, vas-y, je prends. Ok, c'est bon. Ah, mais ça me l'a pas activé par contre. Ah si, ça y est, ok, il suffisait que je boive un coup pour avoir le truc infini, ok. Eh ben là, ça y est, on va pouvoir se faire un maximum de thunes, on va pouvoir avancer. Donc, je vends ça, ça me fait 1600 coins. Alors, est-ce que je vais prendre un jetpack? Non, non, attendez, le jetpack, on va attendre un petit peu. Oh là, on va pouvoir se faire plaisir. Là, je me suis mis plutôt bien. On va acheter directement des laits beaucoup mieux. Buy all, comme ça, on peut passer au lait bleu. Ah non, lui, je l'ai pas encore, moi j'ai le strawberry. Oh, ça va tellement vite, je viens de prendre 12 000 coins, là, direct. Hop, on va se prendre ça, tac. Et par contre, il va falloir absolument un pet, là, en priorité. Donc là, je vais passer au lime. Lime milk, ok, c'est du lait un petit peu bizarre. Hein. Allez, bois. Ce qui me permet d'avoir l'ADN infini, c'est un truc de ouf, hein. Là, je vais me faire trop de thunes. Alors, j'ai vendu... Oh, je suis déjà à 72 000. Allez, go jetpack direct. Donc, ici, on va pouvoir avoir donc le jetpack 2 et le prochain, d'accord, c'est 1 million. Ah oui, ça change complètement. Alors, est-ce que là, j'ai la possibilité, pourquoi pas... Ah, j'ai que 100, d'aller jusqu'à ici. Ok, c'est pas mal. On va essayer de continuer, d'accord. Tout en buvant du lait, bien sûr. Ah, c'est important. Je vais tenter celui-là, mais ça va être limite. Non, c'est bon, ça passe, ok. On est pas mal, on est pas mal. Alors, on a presque atteint la première île. Si c'en est une. Ensuite, on va passer à celui-là. Allez, encore un dernier. Voilà. Et on a une nouvelle île qui est juste là. Une nouvelle ferme. Attention, c'est bon. Je suis arrivé sur le côté. On va sûrement avoir de nouveaux pets ici. Alors, on est sur Candyland. Et ici, d'accord, ok. Ah, j'ai pas les prix. Pourquoi j'ai pas les prix? Je sais pas, faut peut-être que j'active le truc en passant par le portail. Non, ça marche pas. Ok, bon, c'est bizarre. Bon, on verra pour la prochaine île alors, du coup. Bon, allez, je vais aller vendre tout ça. Combien j'ai? Ouah, 213 000. Ça va trop vite. Donc, on va passer maintenant. Oh, je vais en pouvoir en débloquer pas mal, là, je pense. Buy all. Ah non, j'avais débloqué 3. Ok, le magenta maintenant. C'est du bon lait, ça. Ouais, il faut absolument que je récolte 5000 gemmes. Comme ça, je me prends directement le meilleur pet de la première île. Ok, je suis rendu à 650 000 de lait. Je le vends 2 millions. Ah, plus de 2 millions d'un coup. Mais je crois que j'ai assez pour le rebirth. Parce que le premier rebirth, c'est à 1 million. Donc, on va le prendre direct. Enfin, le premier rank comme ça, ah non, c'est 4 millions, ok, bah j'y suis presque. Bah du coup, je vais débloquer des nouveaux laits, hop, buy all, oh, je suis passé au black, ah non, non, j'ai le mint, celui à la menthe. Bon, ça y est, j'ai les 4 millions requis, donc, rank, et là, qu'est-ce que c'est? C'est un x2, trop bien, je vais faire x2 sur tout ce que je fais, je suis reparti au premier lait du coup, normalement, mais pourquoi j'ai encore le mint? Attendez, est-ce que ça me les a reset? Ah, c'est que ça me l'a pas... Attendez. Ah, si, ça me les a reset, hein. Je gagne que 3 là pour l'instant. Ah, le problème, c'est que ça m'a surtout reset mes gemmes, alors que j'aurais dû prendre un pet avant de les reset.
Par contre, quand j'en ramasse là, oh, ça me donne que 50, dommage. Et le prochain rank, il est à combien? C'est un x4 derrière et 700 millions. Ok, bah, prochain objectif, les 700 millions. Ensuite, on améliorera le jetpack. Ah, je suis reparti au premier jetpack. Bon, bah, on va essayer de rank un maximum et ensuite, ça sera jetpack. Allez, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Je prends direct l'œuf à 5000. Oh, mais les taux de chance sont les mêmes, c'est dommage. Ok, bon, bah, c'est pas grave, hein, au moins, on sera jamais déçu, c'est pas possible. Du coup, j'ai une chauve-souris et celle-ci me donne x2,25. Ok, c'est pas fou. Hein. Bon, au moins, on l'a, c'est cool. Allez, je vais aller vendre tout ça. J'ai 1 700 000 de lait. Ça m'a donné 15 millions, waouh. Ok, bah, avec ces 15 millions, on va pouvoir passer à quel lait là? Attention, ils vont sortir quoi maintenant? De la glace vanillée, d'accord. Ah, oh, ouais, mais comment ça monte tellement vite? C'est trop stylé. Allez, j'en ai débloqué d'autres. On va prendre celui à la fraise. Ok, le Red Glass Milk. C'est mon préféré, celui-là. Allez, il faut que je monte à 700 millions d'or. Oh, ça va aller très vite. Hein. 700 millions d'or et comme ça, on prend le prochain rank. Ouah, comment je farme comme un fou. Ça y est, j'y suis presque. Encore un petit effort, Red Kill. Bois du lait, bois du lait. Et c'est bon, j'ai les 700 millions. Allez, hop, nouveau rank. On recommence à zéro, mais là on va aller beaucoup plus vite pour monter à là où j'en étais. Alors on se reprend un pet à 5000, comme ça j'aurai ma collection complètement pleine. Yes, encore un loup. J'ai que des loups dans ma team. Parce qu'on peut avoir 4 pets, donc ça c'est parfait. Voilà, c'est bon, je suis full équipé là. Je vais vendre tout ça et je me suis fait, d'accord, 890 millions. Je crois que je peux avoir le prochain rank là. Combien écoute les prochains? Le boomer. 3 milliards! Ok, non, non, dis pas encore. Bon, on va prendre du lait du coup avec tout ça. Et là, je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, mais je vais en avoir pas mal là. Waouh! Ok, bah ça va super vite là en vrai. Je vends, hop, je suis à 2 milliards 42. Et ça y est, 3 milliards. Je peux faire le boomer. Ça commence à être pas mal. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais monter gavé en rank. Et nous, on se retrouve juste après. Une fois que j'aurai le meilleur rank, ça me permettra d'avoir le meilleur lait possible. Et on essaiera de monter jusqu'au plus haut qu'on puisse. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai assez de thunes pour le prochain rank. Et il s'agit du super. Bon, par contre, je vais m'arrêter là au niveau des grades parce que il faut absolument que je monte sur l'île suivante pour récupérer un nouvel œuf. Déjà, on va aller voir s'il y en a d'autres parce que là, ça devient vraiment trop long pour farmer. Hein. C'est un truc de fou. Allez, bah, du coup, je me refais pas mal de thunes comme ça. On va améliorer mon jetpack. Il va falloir le meilleur jetpack possible là, pour monter. J'achète celui-là à 1000, j'achète celui-là à 1 million. Maintenant, il me faut 1 milliard. Ok, bah, ça va aller super vite à ce rank. Au rank suprême, ça va tellement vite de toute façon. Hein. Allez, là, c'est bon. Normalement, je devrais avoir mon milliard. Attention, ouais, c'est bon. J'ai mon milliard. On va changer de jetpack. Pack, mais là celui-là il est déjà pas mal, hein. Je fais 150 là, donc celui à 1 milliard et ensuite le prochain sera un trillion. Ok, je gagne 471 millions de litres de lait à chaque fois que je bois, c'est n'importe quoi. Ça y est, j'ai mon trillion. On va pouvoir se prendre le prochain jetpack. Hop là. Alors là, 250 de fuel. Allez, on va tenter le jetpack 6 aussi. Alors, le prochain lait, c'est le Blue Milk. 321 trillions. J'ai l'impression qu'il se répète dans le lait, hein. Bon, en tout cas, il me donne 310 milliards à chaque fois que je fais un clic. Enfin, que mon auto-clicker fait un clic, hein. Le Red Milk est pour moi maintenant. En tout cas, ça y est, je crois que j'ai assez pour le prochain. Oui, ça y est, je peux le prendre. Je fais 300 de fuel. Là, on est bien. Bah écoutez, on va aller se faire un petit tour sur les... île suivante. J'espère qu'il y aura les pets cette fois-ci. Alors, avec 300, est-ce que je peux pas aller directement sur la première île? 300, ok, 200, 150. Non, j'aurais pas assez. Faut que je me pose. Non, ah, j'aurais pu. Allez, ça, on est reparti. Ouais, c'est bon. En deux coups, je l'ai atteint, cette île. Ok, bon, bah, on valide. Maintenant, on tente la prochaine île. Je sais pas combien il y a d'îles. Hop là, je suis bloqué par un nuage. En tout cas, c'est pratique, hein. 300 jetpacks, c'est trop bien. Allez, on va boire un petit peu de lait, là. Ok, la prochaine île, on va la découvrir. C'est parti. Ah, il y a un beau phare. Ok, c'est la plage. Alors, les œufs sont là et... Oh non, il n'y a pas le prix non plus. On peut pas les prendre. Non. Oh non, je suis dégoûté. Bon, en tout cas, l'île est vachement stylée. On voit que le roi ici, c'est le lait. Bon, bah, on va voir la prochaine île. Hein, en espérant qu'il y ait quelque chose. Attendez, mais il y a le soleil là. Il y a le soleil. Qu'est-ce que le soleil fait aussi bas? Ah ouais, c'est la dernière île. Ok, allez. Avec 300, là, on devrait pouvoir y monter. Tranquille. Oh, il y a une fusée. Je vais en donner la fusée, moi. Allez, dites-moi qu'elle est pète, là, s'il vous plaît. Dites-moi qu'elle est pète. Ouais, elle est très stylée, hein. Il y a une belle base, ici, hein. Il y a beaucoup de fusées, et... Oh, non, il y a pas les prix. Ils ont pas sorti les pètes, encore. Bon, bah, vivement qu'ils les sortent. Moi, je vais aller me poser sur cette fusée. C'est vraiment le coin le plus haut de la map. Attendez, dans le... Hop, là. Non. Je recommence. Dans le coin le plus haut de la map, il s'agit du pic, là, juste là. Yeah. Et voilà. On va écouter, moi j'attends la prochaine mise à jour qu'ils ajoutent les œufs parce que sans ça, je pourrais jamais monter. Ça risque d'être beaucoup trop long. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Vive le lait, vive les vidéos, vive YouTube. Salut à tous, c'était Adkill. Bye tout le monde.